Salut, nous, c'est Sarah et Jordan. En septembre 2022, on s'est lancé pour objectif de parcourir toute la côte nord, une région du Québec qui nous a toujours fait rêver, mais qu'on voulait visiter d'une manière un peu originale. C'est donc à Tadoussac qu'a commencé notre défi, parcourir 850 km à vélo afin d'atteindre le bout de la route 138, le village de Kegaska. Alors c'est parti, on t'embarque avec nous. Et voilà. Let's go. On est en direction de Cap Bon Désir. On sait pas vraiment à quoi s'attendre. Tu t'attends à quoi toi, à Cap Bon Désir? De l'eau, des rochers, pourquoi pas des rorquals ou des baleines. On verra. Surprise. Qu'on va essayer de faire là? Observer les mammifères. Oui, il y a des gros trucs là-bas, non? Oh.
On devait avoir la pluie toute la journée. Finalement, c'est au moment où on a posé la toile de la tente qui ça s'est mis à pleuvoir fort. Bon timing. Quatrième jour, on se réveille ce matin au vieux quai de Raguenau. Donc c'est un lieu où il y a des emplacements de camping, des plateformes qui sont installées. Il y a, comme le nom l'indique, il y a un vieux quai où on est allé hier, on a fait quelques images. Pour la nuit, donc on s'est installé sur un des emplacements de camping aménagés. On s'est pris la pluie dès hier soir, assez tôt dans la soirée en fait, et puis ça a duré toute la nuit. Ce qui fait que là, quand on se réveille ce matin, ben, la tente elle est mouillée. Les vélos sont évidemment mouillés, tout est mouillé, sauf ce qu'on avait mis à l'intérieur de la tente, et encore que il y a quand même une légère humidité sur tous les habits. Bon, ça fait partie des joies du camping. Où est-ce qu'on est ? À Bécomo. On a assez peu filmé hier parce qu'on s'est finalement accordé une petite journée de repos. On s'est fait seulement une trentaine de kilomètres. On est ce matin sur l'étape qui sépare Godbout de Baie-Trinité. Cette portion-là, elle est considérée comme étant la plus difficile de notre parcours en Côte-Nord. L'objectif du jour, bien sûr, c'est d'atteindre Baie-Trinité idéalement vers midi ou un petit peu plus et de poursuivre notre route sur une section qui sera beaucoup plus facile. Jusqu'à un spot où on pourra planter la tente, idéalement en bord de plage. On verra ce qui s'offre à nous. Ben là, il y avait des travaux sur 4 ou 5 km. Donc une des personnes qui travaille là nous a dit qu'apparemment il y avait une piste cyclable qui permet d'éviter toute cette section et qui rejoint Port-Cartier. Mais bon, ça a l'air d'être une piste cyclable entièrement en terre. Heureusement, on a les vélos qui sont quand même adaptés pour ça. Journée difficile ou pas? Je pense qu'on a atteint 200 km. Donc bientôt. Oui. Il y avait beaucoup moins de montées que d'habitude. Ce qu'on nous avait dit. On vient pour la première fois de voir un panneau qui nous indique la direction Natashquan, donc c'est plutôt bon signe, c'est qu'on est dans la bonne direction. Il nous reste encore pas mal de kilomètres, mais on s'en rapproche.
commence à flotter. On va. Donc là, on se rend jusqu'au bateau pour faire l'excursion qui va nous mener sur l'île, enfin sur les deux îles, l'île Quarry plus l'île. J'ai déjà oublié, alors qu'on l'a dit il y a une minute. Niapisco, mon dieu. Il est 10h15 et on devrait être de retour pour 15h à peu près. Bienvenue à l'île Quarry, mon nom c'est Marine. Je travaille comme guide interprète, ça fait 5 ans pour la réserve, je viens de Havre-Saint-Pierre. C'est parti ? Ouais. C'est bon. On est officiellement sur la route en gravel. On vient de nous avertir que ça pouvait être évidemment dangereux avec la poussière et surtout avec la saison de la chasse. Donc on va rester prudent, on a mis les dossards et puis on va voir ce que ça donne. Thank you.
on attend le Bella des Gagnés qui arrive à 19h15. En fait, on n'attend pas que le Bella des Gagnés, on attend surtout que le kiosque pour prendre nos billets ouvre. Donc ça ouvre normalement une heure avant, donc dans une demi-heure. Donc en attendant, on profite d'être sur le port, on profite de la vue et on observe les pêcheurs qui pêchent aux dernières lueurs du jour. C'est beau ce que je dis. Au port de Kikaska, on monte donc à bord de ce gros bateau, le Bella des Gagnés, qui relie les villages isolés de la côte nord et qui nous permettra surtout de faire une escale sur l'île d'Anticosti. Enfin, à cette île, après une vingtaine d'heures à bord du bateau, nous prendrons finalement le bus qui nous ramènera à notre ville de départ, Tadoussac. Thank you.